Léo fin arrêté Jésus. Yo fin menel bay tout moun yo tap menel yo jan noté ou hier soir. Et qu'on y a, yo décidé pour yo livrer le bay peuple là. Yo bat li et yo di non selon coutume juif yo le yon moun pral subi châtiment sa yo de bal 40 coups. Si vous regardez dans Deutéronome 25 verset 3, après on parle de 40 coups. Deutéronome 25 verset 3. Mais yo di non le judaïsme a vini avec formule 40 coups moins 1. Mais dans le temps, c'était 40 coups d'après juif yo. Après a vini avec 40 coups moins 1. Ça c'est pour les juifs. Mais pour les romains, te gen un châtiment que te kon bay qui relait le mi-chemin de la mort. Le mi-chemin de la mort là, si pour les juifs, yo gon quantité coup que y a baou. Mais pour les romains, quantité ça li pa konté. Li pa limité. Et c'est ça que fait ça que yo attribué avec moun ki gagne peine ça. Souffrance que yo fait le passé, yo ba li un nom c'est le mi-chemin de la mort. Ça veut dire Jean moun de kadi en bon créole là, y a metto trois ka mort. Y a batou, yo metto trois ka mort. Et puis yo te gagne une sorte de fret que yo kon utiliser pour yo caler moun yo. Fret ça li gagne 7 branches. Li gagne 7 branches là-dedans. Et dans chaque extrémité branche yo te yo nou gagne des osselets là-dedans. Ça veut dire c'est des bagailles qui a percé peau. Qui a percé peau. Et on dit nous, ça veut dire qu'on peut imaginer qu'on fait 7 branches. Et dans chaque branche, ça y est, c'est comme si on a dit qu'on sort de croque. Qui l'a, qui a râlé peau. Et il y a un historien qui dit que type de fouet ça yo yo capable causer une hémorragie interne. Moun ki nan domaine santé yo capable mieux connaît ça m'a dit ya. Li causer une hémorragie interne, ça veut dire c'est pas ça ou k ap sot de yo comme sang. Mais gen organe à l'intérieur kap bay san yon hémorragie interne. Ça veut dire ou capable imaginer nan ki souffrance sauveur la li même li teye. Ça veut dire la mort de Jésus, souffrant Jésus, c'est pas un jeu. C'est pas un bagage ordinaire. Et nous te voyons hier soir, malgré Jean Satéye, il te a demandé pardon. Nous te voyons dans verset 34 là dans Luc chapitre 23. Et là nous lit dans verset 35 là. Verset 35, Luc chapitre 23, il dit, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Ici, le peuple était très passif. Bible a dit, non, le peuple se tenait là. C'est comme s'il y a gardé belle merveille.
nan bon créole a gade bel zin. Et puis sak pire de là yo di nou magistrat yo les religieux yo tombe ap moke Jésus. Et puis Mekisa y a dit, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. S'il est le Christ, ça veut dire qu'il n'y a pas reconnaître lui comme Christ. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Ok, en tant que Christ, Christ là qui se tenait au grec, là qui c'est Christos. Qui veut dire ouin. Ouin. Elle sorti mon corps sorti dans mot eboya qui c'est machia. Qui veut dire ouin. Ça veut dire là nous est que c'est action une action d'huile qui était toujours qu'on fait dans l'Ancien Testament le consacré en roi. Et Jésus-Christ en tant que roi Il est permettre que me dit il est le loin de Dieu ou du moins il est loin de Dieu. Mais il pas reconnaître lui comme ça. S'il est le Christ. Pendant le magistrat va moquer, soldat yo tout va moquer. Et attitude ça, attitude foule là, lui prouver non la cruauté de l'homme. Comment on moun fait un cœur pour garder comment y a clou en moun? Ou était là c'est comme ils sont spectacle. Ou a observe un spectacle. Et puis l'autre yo a moqué. S'il c'est Christ, c'est pour sauver tête li, bon t'a marché sauver moun. Il t'a fait boire te marcher. Il t'a dit t'a craser temple là. La privatil en trois jours. Et yon approche, yon présente le vinaigre. Vinaigre là, yon dit, c'est une boisson que soldat romain yon te kon boit. Et rôle boisson, ça, c'est pour apaiser la souffrance. C'est pour apaiser la souffrance. C'est pour ça yon te kon boit. Vinaigre là. Et que son boisson qui va trop douillet. Qui très très grand mauvais goût. D'après ça, on va expliquer. Mais Jésus-Christ pas de boire. Parce qu'il pas de vle, il pas de vle apaiser souffrance là parce que c'est pour ça même que le devini. Et dans le verset 38, il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. Là au final écrit celui-ci est le roi des Juifs. Il dit non, non pas de écrit celui-ci est le roi des Juifs, non. On dit il dit il c'est le roi des Juifs. Puis là dit ça m'écrit, il a m'écrit le net. Ça m'écrit, il a m'écrit le net. Là au final écrit, il dit non, pas écrit que il c'est le roi des Juifs. Dit écrit il dit il c'est le roi des Juifs. Puis là dit ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et yo écrit en hébreu, en grec et en latin. Et côté yo écrit là, ça veut dire pendant monsieur yo pensez que y a fini avec Jésus et puis même encore a proclamé Jésus sans ou pas connait. Parce que côté Jésus-Christ cloué a moun k'a passé a regarder ça écrit a parce que l'écrit dans langue yo. Yo dit yo écrit celui-ci est le roi des Juifs. Et c'est ça même qui te devait écrit. Parce que c'est ça lié. Et yo fait connait que tu as deux malfaiteurs qui doivent clouer à côté de Jésus. Yon à droite Jésus, yon à gauche Jésus. Bon, il y a des historiens qui parlaient de la honte, mais il n'a pas parlé de la honte, j'ai dit ça hier soir. Yon à droite,
yon à gauche. Et nous parlons de comportement que deux malfaiteurs ont gagné à l'égard de Jésus. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et au Christ là, sauve-toi. Et puis sauve-nous tout, mon cher. Où est-ce qu'elle dit? L'injuriait. L'a injurié. L'a juré. L'a offensé. L'a injurié. C'est ça injurié. Injurié. Ça veut dire. L'a juré. Bon, monsieur, pour un clou et sous quoi? On clou dans mon. Alors c'est ça qu'on est en voie fait. Aïe aïe aïe. Merci Jésus. Mais là clou dans mais lui. Pour le temps. Pour ce Jésus, Jésus encore. Pour ce Jésus l'a injurié. Pour ce Jésus l'a dit des propos. Et l'autre là te prend le contre-pied. Il prend le contre-pied. Et puis dans le verset 40, il dit: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Premier à penser que, bon, me dit premier à penser que le cas ironise Jésus. Et on connaît que grand pile monde jusqu'à présent qui tendait parler de Jésus. Yo juste pas ça dans risible. Bon monde qui habituel dans l'évangélisation yo. On va rencontrer un type de monde comme ça. Leur parler de Jésus. Les rire. D'ailleurs pour lui son tête marée ouyé. D'ailleurs pour lui son monde qui pas éclairé ouyé. Le fait qu'on choisit pour marcher avec Jésus. Mais c'est triste. C'est triste pour croire comme ça. Yo croire le fait que ou choisi marcher avec Jésus ou son monde qui pas éclairé, c'est tête marée ouyé. C'est monde qui pas formé que ouyé. Mais quand tu as dans l'expérience là qui dit: c'est toi Jésus que recherche mon âme. À te trouver se borne mes souhaits. Qui ça a dit? On t'a dit c'est Jésus-Christ même non moi à chercher. Et là me joigni me joigne axam d'ap chercher à toi. Même Jean dimanche là parce que tu as parlé de soif. Tout ça on monde ga essayer, elle a toujours soif. L'a tout senti un vide à l'intérieur de lui-même. Et grand auteur qui dit marche, c'est Pascal qui dit ça. Il dit l'homme gon vide à l'intérieur de lui et ce vide à la forme de Dieu. L'homme gon vide à l'intérieur de lui et vide ça il gain forme bon Dieu. Ça veut dire pas gain on ka maintenant vide ça pour le combler. Tout ça maintenant dans vide ça, l'a toujours gon creux. Il y a toujours un espace qui va combler la donne. Parce que ce n'est pas femme ni que le gagne. Il t'a ironisé. Et deuxième, il prend le contre-pied de premier. Ne crains-tu pas Dieu? Deuxième malfaiteur. Premier bagage, monsieur, déclaré là. Monsieur croit dans la divinité de Jésus. Il croit que Jésus-Christ est Dieu. Parce que il déclare, il dit: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Monsieur croit
que Jésus-Christ c'est Dieu. Et c'est ça même que Jésus-Christ lui-même lié. Deuxième bagaille que malfaiteur a quoi? Li croit qu'il est le coupable. Mais Christ l'innocent. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Monsieur, admettre que l'est coupable. Monsieur, admettre que côté lié à, l'est doué là. L'est fait assez lui-même pour là. Mais Jésus-Christ, l'est pas fait rien pour là. Le nom garde le comportement deuxième malfaiteur. Jésus-Christ a gain raison pour lui faire déclaration ça à monsieur. Parce que pour nous recevoir la vie éternelle, pour nous recevoir le salut, c'est exactement par ce chemin pour passer. Faut passer par ce chemin. Faut ou croire que ou c'est pécheur et ou perdu. Et ou pas qu'à faire rien pour retirer tête ou. Ne condamnation ça. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ou devez connaître que c'est quoi? Pour recevoir la vie éternelle. Peut-être qu'il y a deux mouns l'ont à l'évangéliser, l'autre dit que c'est pécheur. Yo zou bon, yo dou, yo pa konal kaiboko. Yo di ou ke yo pa nan madame moun. Yo dou yo pa kon tuye moun. Donc yo pa pécheur. Mais faut reconnaître qu'on c'est pécheur pour recevoir la vie éternelle. Si ou pa konon malade, comment faire besoin médecin? Si ou connaît que ou en bonne santé, ou pa besoin ouais médecin. Faut ou conscient que ou malade pour gagner nécessité pour aller au médecin. Et malfaiteur a lui reconnaître l'innocence de Jésus-Christ. Lui reconnaître que Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu. Parce que agneau bon Dieu a lui sans défaut. Et là monsieur dit ça son paquet on paquet de bagaille monsieur confesser. L'homme moun yo yo te nan monde là soit yo te bon colère fin témoigner bon ça yo dou yo kon travail pour moun ki pote non pasteur moun ki pote non pasteur yo di yo travail pour yo ça triste kounya journée jodi a pour moun nou c'est pasteur ou camper sous chaire l'église ou besoin de degré pour vinn prêcher. Son triste constat. Alors que Jésus-Christ mourit et toute grâce c'est pour grand Messie. Ça c'est même mal qui est arrivé à la croix. Même gens malfaiteurs ont pas arrivé. Même gens les religieux ont pas arrivé à découvrir le mystère ça. Pour ces malfaiteurs qu'à le découvrir. Moi seulement l'église m'a dépouillé ses îles. L'église m'a dépouillé ses îles. Parce que comment religieux fait aussi aveugle? Pour ces malfaiteurs qu'elle recevoir dans mes mots en révélation comme ça. Et puis monsieur dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Monsieur déclare un autre bagaille terrible. Monsieur reconnaît Jésus comme moi. Qu'est-ce qui règne? Son roi de régner. Monsieur connaît Jésus-Christ, c'est roi. Il connaît le grand trône. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. L'autre moun yo pas te connaît quand qu'elle était roi. Parce que pour côté elle était sorti, a yon pas ka sorti là.
yon wap pa ka soti la. Nan yon fami osi pov. D'ailleurs, le pral Christ de Jésus-Christ au temple. Ça a porté comme sacrifice là, c'est ça a un rapport directement à pauvre. Parce que son petit tout réel, on petit pas puis j'en bail comme ça au beauté pour venir offrir à Jésus, pour venir offrir le prince de Christ au temple. Ça il était un rapport directement avec famille pauvre. Yon a pas qu'à sortir là. Yon a pas qu'à sortir là. Mais malfaiteur, li roi dans Jésus-Christ, yon roi. Li roi dans Jésus-Christ, yon roi. Il dit à Jésus-Christ, son j'aime, l'on en règne. Ou qu'on a dit, mon gindou achita en dans l'église par contre Jésus-Christ comme moi. Et si le roi, qui compte la régner, gagne attitude que vous gagnez, c'est parce que vous parlez de Jésus-Christ comme moi. Parce que si le roi, quand il doit siéger d'abord sur ton cœur, qu'il doit siéger. Et gagne le comportement que vous gagnez, ou juste Jésus-Christ par là dans la vie. Gagne le comportement que vous doit gagner, nous juste dit que nous par contre Jésus-Christ, nous règne qui a fini. Et nous chantons, nous disons notre Père toute journée, on dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Pendant qu'on dit que le règne est fini, c'est qu'on est connu, c'est roi. Mais est-ce que la vie en conformité avec ça me déclare? Que le règne est fini. Valait toute déclaration ça mal fait et a fin fait. Jésus-Christ ouais cœur malfaiteur. Regardez, bon je vous parce qu'on gagne le champ d'espérance dans mon nom qui force chrétien. Et parce qu'on prend la scène qui force chrétien. Mais comment est ta cœur, comment est ta damouillé? Par le fait que m'a prêché là, donc fait c'est chrétien. Mais comment est ta dame, comment est relation avec Dieu? Est-ce qu'un jour je me confesse que Jésus est Seigneur? Et l'apôtre Paul dit ça, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et malfaiteur a déjà quoi tout, même si Jésus-Christ mourit, l'a ressuscité parce qu'elle règne. Malfaiteur a confessé également que nous sommes en Christ, c'est Seigneur. Mais malfaiteur a quoi également dans la résurrection de Jésus-Christ? Et quoi que le règne qui a fini? Parce que, mais Jésus-Christ sous la croix, est-ce qu'il y a un monde qui mourit qui règne? Non. Pour Jésus-Christ régner comme moi, il faut qu'il soit bien vivant. Malfaiteur a tout croit que Jésus-Christ, même s'il mourit, il a ressuscité. Je ne sais pas combien de gens qui habitent à venir à l'église, mais qui viennent par tradition. Mais je suis tout à souhait pour gagner la vie éternelle ou obligé de confesser Jésus-Christ, c'est Seigneur. Et c'est ça même malfaiteur de confesser qui fait Jésus-Christ pour le déclarer. Il y a un lieu de bonheur, il y a un lieu de félicité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et si nous allons dans Luc chapitre 16, il a raconté nous histoire d'un riche là avec Lazare. Côté que monsieur Sayo était trouvé dans le séjour des morts. Séjour des morts que nous connaissons qui était deux compartiments. Séjour des morts qui finit de un mot grec Hadès. Et de un mot hébreu qui c'est Sheol. Et il y a un auteur qui dit qui côté paradis ça, il t'a parlé à côté lié.
Il y a des auteurs qui disent par contre côté lié. Il y a des auteurs qui font référence à ces jours des morts. Côté que tu as deux compartiments. Même Jean, l'homme riche là, tu trouvé dans un lieu qui était le lieu de tourment. Et que pauvre là, tu es trouvé dans le sein d'Abraham. Dans un lieu de repos. Dans un lieu côté que pas de gain ni souffrance ni douleur. Côté que tu es. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Gain un bagage qui est très important dans la déclaration ça, Jésus-Christ lui-même l'y fait. Jésus-Christ avec nous. Non. Est-ce que ce n'est pas dans la même situation que vous trouvez? Vous trouvez dans la même situation. Vous hein? Trouvez dans la même position. Hein? Mais la parole que Jésus-Christ dit avec nous, non, là, c'est une parole d'espoir. C'est une parole de réconfort. C'est une parole pour fortifier nous. Non. Que Jésus-Christ dit avec nous, non, là. Mais dans la question que je me posais, qui situation que je gagne, le moi-même avec l'autre monde dans la même situation, qui comportement que je gagne, est-ce que, en tant que l'homme, qui réponse que je t'abaille avec un monde, peut-être qui vient adresser à Vem, et me trouve dans la même situation avec elle, qui réponse que je m'abaille en tant que l'homme? Donc, par exemple, moi malade, besoin à l'hôpital, et puis moi j'ai seulement 100 dollars pour aller à l'hôpital. Et puis, quand il y a la mienne, l'autre bien-aimé qui est malade, il a besoin de 50 dollars pour aller à l'hôpital. Est-ce que je suis capable dans cette situation ça pour me dire, bon, je partage 100 dollars avec elle? Est-ce que j'ai assez de capacité pour réconforter, pour fortifier l'autre monde? Qui peut-être a traversé la même situation avec vous. C'est ça que Christ a fait là. Et, nous avons fait une recherche. Clou que vous clouez Jésus, vous dit qu'il y a environ 17 cm de longueur. Elle gagne 2 cm d'épaisseur. Bon, même pas trop bon dans centimètre, dans mètre. Mais les gens qui sont bon là, qui ont été estimés, qui ça, ça y est. Mais le cloué, pied le cloué, couronne piquée dans la tête, ils ont fait une calèle avec un fouet de 7 branches. Col à bail de l'eau, à bail sang, il y a une hémorragie à l'intérieur. Et puis, la fortifié moun. La sauvé moun. Parce que malfaisant ça, t'a mal fait route pour l'enfer. Mais puisque le rencontre avec Jésus, pas de l'enfer fermé pour lui. Pas de l'enfer fermé pour lui. Est-ce que moi et ma veille, nous avons assez de grâce pour nous prêcher l'évangile, même dans la souffrance? Est-ce que nous avons assez de capacité pour nous prêcher l'évangile même dans la disette? Christ nous pose toute matisse à eux. Et puis l'a sauvé les gens. Parce que c'est mission ça. Et c'est mission pas tout sous la terre. C'est mission pas sous la terre. Pour sauver les gens. Et c'est ça même à votre habitude avec Timothée. Il dit prêche l'évangile en toute occasion. Favorable ou pas. Il dit insister pour bailler message là. Christ sur la croix. Sans à pomper. Clou dans mille. L'a sauvé moun. Combien moun ou femme porte l'enfer pour yo? Pas moi un message que yo ba yo. Combien de gens m'a fait, nous avons un fait pour eux, par le comportement que nous affichons. Est-ce que le comportement, est-ce que le parole n'est pas dit, et tel parent est extérieur là, ou m'a fait pour l'enfer?
Jésus-Christ, malgré Jean, il a été martyrisé, il a été meurtri. L'a sauvé, mon. L'a baille bonne nouvelle là. L'a recevoir mon dans le royaume là. Et il a l'air qui t'a mission ça pour moi. Il a quitté mission ça pour vous sur la terre. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-vous. L'église oublie mission sur la terre. L'église oublie mission si c'est pour sauver des âmes. Parce que à la croix, Christ a sauvé un malfaiteur. Moun qui bon dans quartier bon la ka ka péri, est-ce qu'on pas décider à sauver? Est-ce qu'on pas décider à bal l'évangile là? Est-ce qu'on pas t'appeler à bal bonne nouvelle là? Moun qui dans famille ou que la vie a passé mal. Gay dans boîte à fia. Gay dans la prostitution. Est-ce que un jour dépend de Dieu pour t'aller parler de Jésus? Est-ce qu'un jour tu as le proclamé ou tu as le proclamé bonne nouvelle là pour te tendre et parler de Christ? Si Christ a sauvé un malfaiteur juste à la croix, ce n'est pas moun ça que Christ peut arriver à sauver. Quelle que soit la situation que tu es. Parce que regardez moun ça, on dit, yo kon trouve que yo trop sale pour venir Jésus. Et c'est monde qui sale même Christ après les. C'est monde qui mérite nettoyage après les. C'est monde qui pas bon même que l'après les. C'est monde qui malade même que le veut guéri. Assoya moi ma veu. Ça me t'a vle saisi assoya. En pile mon a péri, yo besoin d'un une bonne nouvelle. Yo besoin d'un message de réconfort. Et Christ a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et ou même, si vous mourrez, je dis à la qui compte vous aller. Est-ce qu'on peut aller dans le paradis? Est-ce qu'on peut aller dans le lieu de tourment? Si vous mourrez à soi, est-ce que même parole ça, Christ a dit pour malfaiteur, est-ce que le calabre dit même parole ça? Peut-être que les gens qui là, yo peur la mort. Parce que yo pas connaît là au mouri côté au pralé. Et m'a dit c'est pendant vivant pour qu'on qui côté au pralé là mouri. C'est pas la fin de mourir pas décider. Gen moun le monde aussi au sauver, yo dit yo pas connaît parce que yo beaucoup mouri. Nous trouvons ça bien triste parce que après la mort pas décider en rien encore. Si on mouri là à soi côté au pralé même. Quand on va aller, pour qu'on s'y tente en l'église, pour les gens religieux, pour les gens présents dans le service, quand on va aller, malfaiteur, Christ dit, la parole dans le paradis avec elle. Et religieux qui t'a moqué Jésus, quand on va aller, même si on est mort dans le moment. Quand on va aller, ça veut dire pour l'église. Pour Dieu m'a chanté dans le choral. Pour je m'a dit moi. Pour je m'a offrande. Pour je m'a la mission. Alors pour je dis à m'a mouri. Pour faire qu'on va mettre devant pour dire m'a passé. M'a dit. Être mis en papier religieux. Depuis c'est religieux, yo ka yo ka yo ka mourir yo lève yo calé ou. Mais c'est monde qui gagne bon Dieu en temps yo. Yo pas qu'à faire ça au blé avec. Assoi c'est bon Dieu pour gandan ou. C'est pas religieux pour religieux, c'est bon Dieu pour gandan ou. Ba offrande c'est bon, est-ce que l'église a besoin d'argent pour capable fonctionner? Mais l'argent va sauver ou. L'argent va pas échapper de l'enfer. L'argent va pas mener dans le pays côté bon Dieu. Mais c'est monde qui marche dans la volonté de Dieu qui a hérité au royaume ciel. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
jodi a même. Posez tes toutes questions. Après la mort, koto pralé. Gen moun ki di après la mort c'est le néant. Mais dans le livre Hébreux, auteur a dit après la mort c'est le jugement. C'est pas le néant, c'est le jugement. Et comportement. Si on joue te confesser Jésus-Christ Seigneur, ou de gen assurance, ou de gen certitude. Lèr moun ki koto pralé. Ou ka gon bel enterrement. Ou ka gon pile couronne. Yo ka bay bel discours nan enterrement ou. Mais sou ale sans Jésus. Ou se moun ki pi malheureux. Et gon serviteur. Yon évangéliste. Monsieur était très maladif. Et puis ils vont là monsieur. Yo couri bri la mort monsieur. Et là yo couri bri la mort monsieur. Et puis qu'on y a des serviteurs qui viennent qu'à prier. Il a prié, il a demandé bon Dieu pour ressusciter monsieur. Il a commencé à prier, il a prié, il a prié. Et puis pendant qu'il a prié comme ça, monsieur a ressuscité. Et monsieur dit comme ça, qu'est pour qui ça y a venu troubler? Pour qui ça y a fait la qualité bagay ça? Et monsieur a expliqué comment ça le gétan ouais. Nan ki ambiance li gétan yé. Li dit pour qui ça le retourner sous la terre encore. En pile moun pè la mort, c'est parce que on s'cap tan yo après la mort. Mais m'ap di aswè ou ka décider sou après la mort. Ou ka décider destiné ou ka décider position après la mort pendant vivant là. Si vous dans l'église, c'est pour pasteur fin l'église. M'a dit ça triste pour vous. Si vous dans l'église, c'est l'homme en dans temple seulement chrétien. Ça triste pour vous après la mort. Si vous pas changer fils ou d'épaule. Et me sentir pendant semaine ça, bon Dieu gagne bagage spécial que lui fait. Dans la vie chaque membre l'église là. Bon Dieu, il y a une bénédiction spéciale qu'elle voulait déverser sur l'église pendant ce maintenant. Mais quand vous même si vous êtes prêt pour recevoir, même envie par un vaisseau. Et gros vaisseau encore pour recevoir toute grâce que bon Dieu a baillé pendant ce maintenant dans l'église. Là. À la triste, ça t'a triste. À la malheureuse, ça t'a malheureux. Pour passer l'aventure. Ça finit là, fin chanter enterrement ou. Et puis à souhait pour faire cabon à le prendre. Qui mode de vie a mené pendant sous terre? Qui mode de vie qui a mené pendant sous terre? C'était bon Dieu aider à souhait pour mettre parole ça en application. Pendant ce moment, nous allons faire un examen à l'intérieur de vous-même. Un examen qui est très profond. Parce que j'en passe tout à l'heure. L'église fait un pile d'activité. Un pile mouvement fait. Mais c'est uniquement des mouvements. Pas grand rien qui fait. Que nous devons plus endurci. Nous devons mettre plus. Nous devons plus. Pas d'intérêt pour travailler, mon Dieu. Ya. Il va avoir plus intérêt pour le service de Dieu. Alors que chaque jour, service a fait. Toute journée, il y a un réveil. Je dis une semaine, ça, ce n'est pas une semaine pour une activité. Ce n'est pas une semaine pour venir danser que lié. Mais c'est une semaine pour venir penser à vie. C'est pour venir penser à relation avec Dieu. Venir penser à intimité avec Dieu. Si Jésus-Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Mais je dis, je ne peux pas vivre dans le péché. Je ne peux pas prendre plaisir dans le péché. Je ne peux pas mener vivre, j'en veux. Parce que c'est pour ça même que Christ lui-même était mort. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et au même, qui côté ou à pied? Christ
L'allée, il dit, je vais vous préparer une place. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Côté Mieya, c'est là na bientôt. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a le même côté? Ce n'est pas tout le monde. Est-ce que tout le monde a accepté Jésus-Christ déjà? Est-ce que tout le monde a confessé Christ le Seigneur déjà? Ah, mal fait, il a confessé lui-même. Est-ce qu'on confesse déjà ou même? Si c'est le moment où tu viens de l'église ou vini tout, m'a dit ou besoin de confesser Christ personnellement ou même. Si son ami qui t'intéresse ou t'es vini ou vini tout, ou besoin de confesser Christ le Seigneur ou même personnellement. N'a pas quitté ou. Mais ça me t'a voulu réfléchir. Réfléchis, est-ce que un jour je me confesse Jésus-Christ le Seigneur? Est-ce que je vais accepter comme sauveur et maître? Deux, si je dis, assoya, la mort t'a passé le taprem, qui côté me brale? Je vais vous poser deux questions et réfléchir sur yo. Un, est-ce que un jour que je vais confesser Jésus-Christ le Seigneur? Et si la mort t'a passé le taprem, je dis, assoya, qui côté me braler? Moi j'espère que bon Dieu aide au fait un examen de propre tête pas ou que l'aide me font examen de propre tête pam pour permettre que moi j'ai une réponse appropriée avec deux questions ça que bon Dieu bénisse.